Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui pour mon plus grand plaisir, une revue Tokusatsu et plus précisément une revue Super Sentai. Donc la revue Super Sentai du Change Robot ou Changey Robot, issue de la série japonaise Changeman. Kenjiki Sentai Changeman, voilà une série donc diffusée au Japon en 1985, produite comme toujours par la Toei, pardon. Alors pour anecdote, donc il s'agit en fait de la seule série Super Sentai produite et diffusée entre 1984 et 1991 qui n'a jamais été diffusée chez nous. Voilà. De plus, il n'y a pas eu également d'adaptation du fameux Monsieur Saban, donc pour sa saga Power Rangers. Voilà pour la petite anecdote. Pour le speech, alors le speech est tout simple, hein. On y retrouve donc 5 jeunes soldats, 3 garçons et 2 filles, voilà, entraînés par le commandant Ibuki afin de lutter contre les forces maléfiques de la Ligue Stellaire Gozma. Et donc, après l'attaque de Gozma contre les forces en plein entraînement, donc pour faire partie de l'unité d'élite de l'organisation planétaire, tous périrent sans exception, sauf nos 5 héros, donc que la planète Terre irradie d'elle-même, la planète Terre se réveille et donc décide d'irradier de sa Earth Force, donc ces 5 personnages, faisant d'eux les Changeman. Voilà pour le topo de l'histoire, je résume, je pourrais dire plein de choses, en parler assez longtemps, mais ce n'est pas le but de cette revue. Le but de cette revue, bien entendu, est avant tout donc de vous présenter ce méca, qui est de toute beauté, un méca que j'aime tout particulièrement. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux trous de balle, comme toujours, bien évidemment, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite, les petits amis! Ouais, pas grave, Ulek! Et passez un bon moment! On vous enlève voir, hein, ce méca, il est pas caca! Ouais, ce méca, il a de l'allure! Alors, on vous retient pas plus, et on vous dit à tout à l'heure! Allez, tchuss! Tchuss! Et petit aperçu dès à présent donc de notre team dans leur mode véhicule, un petit peu comme Liveman, non pas par rapport aux animaux, mais par le fait que voilà, la team est constituée de 3 véhicules. Que dire d'autre? Bah, nous retrouvons tout simplement juste ici le principal, le véhicule de tête, donc qui est le Jet Changer ou Jetto Changer One, voilà, piloté par le Change Dragon. Nous avons ensuite le Heli Changer 2 ou Heli Changer 2, piloté quant à lui par le Change Griffon et Change la Change Mermaid. Je vais y arriver. Si je parle trop vite, je vais bafouiller comme toujours. Alors, vous l'aurez remarqué, hein, les hélices sont faites maison puisque voilà, j'ai eu malheureusement ce robot sans hélice et sans son bouclier. Tout pour le reste, c'est 100%, enfin, c'est 100%, non, c'est complet. Donc, plus d'hélices, l'hélice étant introuvable, que ce soit sur eBay ou voilà, sur plein de sites internationaux. J'ai décidé donc, du coup, bah, de me faire voilà, ma propre paire d'hélices, qui est toujours mieux que rien. Et puis donc nous terminons juste ici donc par le Land Changer Free ou le Rondo Changer Free, piloté donc quant à lui par le Change Pegasus et la Change Phoenix. Et petit 360 pour commencer donc du premier véhicule, donc le Jet Changer One ou Jetto Changer One, donc piloté par le Change Dragon. Donc le Change Dragon, donc dans la série, il s'agit donc sous son nom humain de Tsurugi Iryu, voilà, le Changey Griffon. Donc un petit jet comme vous pouvez le voir, avec un côté un peu kitsch, je vous l'accorde. Bon, faut dire que nous sommes en 85, hein, donc c'est voilà, c'est effectivement pas tout jeune, hein, c'est la même époque à peu près que les Gobots et que Mask ou les Transformers. À savoir que comme donc de nombreux mechas
de ces années-là, nous avons le plaisir d'avoir non seulement des plastiques extrêmement robustes, mais également des pièces en métal, donc qui confèrent donc à chacun des véhicules et surtout au mode robot une robustesse, une solidité à toute épreuve. Le véhicule est propre, hein, on y retrouve quasiment tous les stickers, si ce n'est tous. Les chromes sont également assez propres, voilà, et à savoir également donc l'ingénierie pour la transformation de cette team est tout simplement épatante. Donc voilà un petit aperçu donc voilà de notre Jet Changer One. Voilà, on s'attarde vite fait hein, sur les petits détails. Donc nous avons voilà tout le cockpit qui est en plastique bleu transparent du plus bel effet, de très joli chrome donc juste ici. Voilà, l'autocollant donc Jet Changer One. Voilà. On nous indique également donc que c'est Changeman au cas où on ne l'aurait pas compris. Des parties métalliques donc avec voilà des couleurs en bleu, jaune, orange, rouge. Enfin bref, voilà, c'est super sympa. Le jet est assez sympa, j'aime beaucoup, hein, même si on a quand même ce côté kitsch avec les avants assez pas grossiers, mais assez arrondis. Et au niveau de l'undercarriage, hein, voilà un petit peu ce que ça donne, avec bien entendu les trains d'atterrissage tout en acier qui peuvent évidemment donc se rétracter pour le mode vol. Voilà un petit peu donc pour notre Jet Changer One. Petit 360 à présent donc de notre Heli Changer 2 ou Heli Changer 2, donc piloté par le Change Griffon et la Change Mermaid. Donc Hayate Sho et Nagisa Sayaka. Voilà un petit peu donc pour ce second véhicule. Lui aussi plutôt pas mal, à la fois kitsch et en même temps assez futuriste. Voilà, une espèce de gros hélico qui fait aussi office de transporteur. Alors comme je vous l'ai expliqué, hein, les hélices bien entendu ont été faits par moi avec des pièces en Lego, voilà, ni plus ni moins. Et j'ai essayé donc de justement de respecter la transformation également des hélices par rapport donc au jouet original. Voilà, pour le reste, hein, il est complet, il a ses points, etc. etc. Donc on s'attarde également un rapido sur les petits détails. Donc à savoir que lui pour le coup n'a pas de cockpit translucide, hein, ce sont simplement les stickers à l'avant qui viennent donc créer voilà les vitres. On retrouve bien évidemment donc les couleurs, hein, jaune, rouge en peinture, des pièces mécaniques, beaucoup de chrome, voilà, avec les sulfateuses ici sur le côté. Voilà, le petit réacteur à l'arrière et les petites hélices. Voilà, des ailerons arrière, les hélices, voilà, hein, les listes tournent plutôt pas mal, donc voilà, je suis assez content de mon taf, hein, sachant qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quasiment introuvable, les hélices de l'original, voilà, sans doute parce qu'elles ont mal vieilli ou qu'elles sont extrêmement fragiles, enfin, toujours est-il, hein, que voilà, je me suis démerdé, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu, hein, sur toutes ces coutures, et au niveau d'undercarriage, voilà, on a quelque chose là encore de relativement propre, même si on devine où se trouvent donc les points du robot. Voilà un petit peu, et on remarque également donc les petits trains d'atterrissage avant et arrière, eux aussi rétractables. Et nous terminerons donc les présentations avec le Land Changer 3 ou Rando Changer 3, piloté par donc Change Pegasus et la Change Phoenix. Donc Pegasus dans son rôle donc Yuma Ozola. Et Phoenix, donc c'est Tsubasa Mai, voilà, une jeune femme qui ne manque pas de caractère et de tempérament. Et ce véhicule est probablement des trois mon préféré, même si j'aime bien aussi le premier, hein, le Jet Changer. Celui-ci j'aime bien parce que voilà, il a quelques petits gimmicks et il a entre guillemets donc deux fonctions, deux modes. Donc voilà un petit peu, hein, pour la présentation de cette team. Alors, j'arrête tout de suite, on va essayer de gagner du temps, voilà, on retrouve là encore bien entendu les couleurs caractéristiques donc aux trois véhicules, c'est-à-dire du bleu, du rouge, du orange, là encore pas de cockpit translucide, hein. Il s'agit donc de stickers, dans l'ensemble c'est propre, les chromes sont toujours propres également, toujours des parties métalliques juste ici. De dos que ça donne. Au niveau d'undercarriage, on a quelque chose de voilà de propre, de correct, de compact, avec bien entendu, vous l'aurez deviné, hein, les chenilles ici, juste ici, donc qui viennent se rabattre à l'intérieur. Et puis, voilà pour le mode. Alors à savoir également, donc on a un petit gimmick sur celui-ci, notamment donc on peut passer du véhicule terrestre,
puisque c'est avant tout un véhicule terrestre, un véhicule donc qui peut, voilà, qui peut voler également, puisque nous avons, voilà, deux petites ailes dissimulées à l'arrière. Plutôt super, super fun, j'aime beaucoup. Et puis donc au niveau des gimmicks, ce que j'aime bien aussi, alors je vais recentrer la camionnouche, c'est que nous avons juste ici, donc voilà, deux compartiments secrets à ce niveau-là, qui, voilà, recèlent, qui cachent de l'armement. Alors je vais prendre, voilà, ma Bruxelles, ce sera plus facile à sortir, puisque moi j'ai fait le choix de mettre les missiles directement, voilà. Donc nous avons ici donc, le double canon, et nous avons ici, voilà, hop, une fourreuse. Alors, comme vous avez pu le voir, voilà, les systèmes d'éjection sont fonctionnels. Voilà, j'aime beaucoup ce véhicule, hein, avec ses, voilà, avec ces petites armes bien dissimulées. Et puis donc on va tester, hein, voilà, l'efficacité du canon. Alors je relève un petit peu la camérouche. Voilà. Voilà pour le premier missile. Pour le second. Et puis, hop, pour la fourreuse. Nickel. Hein. 37 ans après, les mécanismes fonctionnent encore à la perfection. Yes! Voilà un petit peu, hein, donc pour les petites particularités de ce véhicule, hein, que je trouve vraiment super fun. Alors oui, il est toujours complet, il y a toujours ses missiles et la foreuse en super bon état. Voilà, les chromes, là encore, sont parfaitement brillants. Pas de marque d'usure ou de quoi que ce soit. Vraiment, le jouet a très très bien vieilli, y compris donc les systèmes de lockage, hein, des deux compartiments. Voilà un petit peu donc pour ce Land Changer 3, Rando Changer 3. Et concernant la transformation, on a quelque chose bien évidemment de super accessible, de fun, d'intuitif. Ce que j'aime bien également, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ingénierie de ce trio est vraiment extrêmement bien pensée, puisque la transformation donc nécessite un petit peu plus de manipulation que certains mécas concurrents de l'univers, des différents univers Tokusatsu. Donc voilà, au niveau de transformation, c'est, vous allez voir, c'est vraiment très très bien pensé pour l'époque. Donc tout d'abord, hein, si vous êtes en mode vol comme ceci, ben, vous pouvez dès à présent rabattre les petits ailerons arrière, les petites ailes à l'arrière. Vous pouvez également rabattre les quatre chenilles dans leur compartiment. Ensuite, vous séparez ces deux parties-là en deux, comme ceci. Vous avez donc les ergots de fixation mâle ici et les mâchoires, voilà, juste ici. Ce qui est bien aussi, vous allez voir, c'est vraiment sympa. On trouve ça parfois dans certains super mini plats aussi, donc voilà, pour dire que le concept était vraiment top à l'époque et qu'il est encore utilisé aujourd'hui, c'est que vous avez du coup les petits ergomales qui sont, voilà, qui sont évidents, on les aperçoit tout de suite, donc vous avez pour cela la possibilité de pouvoir les rentrer à l'intérieur de la jambe et du pied pour avoir une surface parfaitement lisse et propre. Ça c'est super, j'adore. Vous pouvez à présent, voilà, rabattre ces parties-là, donc qui formeront respectivement les deux gambettes. Voilà un petit peu ce que ça donne, donc avec, hein, du métal, hein, ce qui les rend vraiment, voilà, très très lourd en main. Voilà donc pour le Land Changer 3. On continue donc avec le Jet Changer 1, le Ghetto Changer 1. Voilà, juste ici, et là encore, transformation super sympa. Donc tout d'abord, vous allez venir, voilà, rabattre les ailerons à l'arrière, du moins comme ceci. Ensuite, vous pouvez également, voilà, rentrer les trains d'atterrissage arrière, voilà, jusqu'à entendre donc le clic de locage, du locage, pardon. On rabat également le train d'atterrissage avant. Voilà, jusque là, pas grand chose voilà, de compliqué. Et ensuite, donc, vous venez, voilà, rentrer également l'extrémité des ailes. Et quand c'est fait, vous pouvez les rabattre à l'arrière des cuisses, comme ceci. Voilà, je suis fan. Et ensuite, donc, nous pouvons réunir ces deux véhicules
ensemble. Alors, je vais diminuer la camionouche. Voilà. Première jambe. Deuxième jambe. Et vous allez voir toujours qu'en termes d'ingénierie, ben c'est super bien pensé. Comme vous pouvez le voir, hein, le loquage est parfait. Ça ne bouge pas, ça ne s'échappe pas. Pour déloquer donc la partie centrale de la partie inférieure, il vous suffit tout simplement d'appuyer, voilà, sur les petits, voilà, les petits ergots juste ici, les petites targettes montées sur ressort. Vous voyez, on a la partie jaune ici. Donc voilà, hein, pour assurer un loquage optimum et pour donc déloquer le tout en toute sécurité. Donc voilà pour l'assemblage de ces deux parties là. Et nous pouvons donc conclure le tout avec donc notre Eri Changer 2, Eri Changer 2. Voilà, tout d'abord nous allons retirer, voilà, les hélices de façon à pouvoir rabattre ces parties là comme ceci. Les hélices ensuite vous pouvez, voilà, les replier ainsi comme ceci. J'ai vraiment essayé de me rapprocher, voilà, du jouet original. Ensuite, vous pouvez mettre les points en position et vous ouvrez cette partie-là comme ceci. Vous venez loquer le tout ainsi. Voilà. Et donc, même chose, hein, loquage, regardez-moi ça, ça ne bouge plus. Et si vous voulez donc séparer, pour remettre en mode véhicule, vous avez le petit poussoir jaune juste ici, donc qui vous permet de libérer, voilà, cette partie là donc on en profite pour rabattre, voilà, l'avant comme ceci à l'intérieur. On peut à présent, voilà, mettre le tout comme ceci. On n'oublie pas de rentrer là aussi les trains d'atterrissage. On met, hop, les points en position. Et au passage, hein, remarquez le bruit des ratchets, voilà, qui fait bien plaisir. Ne reste plus du coup, voilà, qu'à ajouter cette partie là vous entendez le clic. Pourquoi? Parce que là également il y a une sécurité, hein, notamment, donc vous voyez là, c'est pareil, toujours un maintien optimum. Donc si vous voulez séparer donc la partie supérieure, vous appuyez là encore sur le petit loquet. Voilà, de façon à venir, hop là, déverrouiller l'ensemble. Alors non, honte à moi, je me trompe, ce n'est pas le loquet juste ici, c'est le loquet qui se trouve, voilà, juste ici, le petit poussoir. Vous appuyez donc sur le petit poussoir et vous pouvez donc dégager cette partie-là. Vous n'oubliez pas, avant, et je vais réduire l'image, avant de réunir, voilà, la dernière partie, vous faites une rotation du cockpit. Voilà, tout est reloqué et donc vous venez faire glisser le cockpit vers le bas comme ceci, de façon à dévoiler le cucu, la tête-tête. Nous reviendrons tout de suite après parce que la tronche est vraiment assez, voilà, assez originale. Mais en attendant, donc, voici, mesdames et messieurs, notre Change Robot ou Changey Robot. Yes! Et donc, pour la fusion, hein, c'est tout simple. La phrase d'accroche est fusion, conversion terrestre ou Gatai, Asu, Kombakon. Et petit 360 à présent donc de notre mecha, voilà, rien à dire, j'adore, les proportions sont correctes, la transformation comme vous avez pu le voir est super sympa, on s'éclate, pas de jour, pas de creux, pas de vide, voilà, contrairement même à certains mechas Super Sentai, là on a vraiment quelque chose de, voilà, de bien compact. Tout est propre, tout est dissimulé, les plastiques ont bien vieilli, même si le blanc, voilà, jauni, légèrement jauni, c'est même pas vraiment jauni, en fait, le blanc c'est juste un petit peu assombri. Nous avons donc tous les stickers, voilà, tout ce qu'il faut pour parfaire ce petit père. Petit zoom sur
le visage, la tête de suppositoire. Alors, le visage est assez particulier. Alors, on est en 85, hein, mais bon, faut savoir aussi qu'il y avait, il y a eu Bioman, voilà, dans la même période, hein, avec son biorobot, donc, qui avait réalisé un visage quand même bien plus joli. Là, on a vraiment quelque chose de kitsch. Pour celui qui connaît pas, on pourrait croire que c'est un robot, donc, de la fin des années 70, tout début des années 80, avec ce côté très kitsch. Le visage n'est pas sans me rappeler le Gobots Copter. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a une petite, voilà, il y a quelque chose qui me fait penser systématiquement donc au Gobots Copter. Voilà, pour le reste, hein, ça reste quand même très propre. On voit bien hein, toutes les couleurs qui sont du coup, voilà, qui sont plutôt cohérentes après donc dans le mode robot final, avec tous les chromes brillants et autres. En termes d'articulation, Mecha Super Sentai oblige, on a quelque chose de voilà de très voire même trop rigide. Hein, la tête est fixe, le bassin est fixe, les jambes de par leur transformation, voilà, vous ne pouvez ni les avancer ni les reculer, idem pour les pieds, pour les genoux, vous avez juste les pieds que vous pouvez lever, baisser, mais ça ne vous servira pas à grand chose pour l'exposer. Et puis donc nous avons bien évidemment et heureusement hein, le 360, voilà, sur Ratchet, voilà, des bras. Pas de possibilité non plus de plier les coudes, voilà, puisque de par la transformation, en fait, les coudes ne se positionnent que comme ceci. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, hein, voilà, vous pouvez lui donner cette pose-là. Alors, bien évidemment, hein, les mechas de ce type-là ne sont pas réputés pour leur point d'articulation. Celui-ci, donc, ne déroge pas à la règle, mais voilà, ça les rendait également... C'était l'avantage pour moi, c'est que ça les rendait également donc très robuste, ça se pétait pas dans les mains, ça voilà, on pouvait vraiment jouer avec, c'était vraiment du bon jouet. Et je peux vous dire qu'en main, une fois le tout transformé, voilà, ce petit coco fait son poids. Voilà un petit peu donc hein, pour les articulations, le visage et le reste. Alors nous avons quelques gimmicks, vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, hein, réutiliser donc les gimmicks des jambes, voilà, pourquoi pas, comme ceci par exemple, et la petite foreuse, voilà, hop, comme ceci, jouet mecha, enfin mecha années 70-80 oblige, nous avons bien évidemment donc voilà le gimmick des points éjectables grâce à voilà, aux deux petits tétons juste ici. Alors, on vérifie l'éjection des points. Le droit, parfait. Le gauche, parfait. Voilà, c'est nickel. Là encore, les systèmes d'éjection fonctionnent à la perfection, malgré son grand âge. Yes, ça c'est cool et ça fait plaisir. Voilà, toujours au rang de l'artillerie. Donc, nous retrouvons heureux. Et celle-là, pour le coup, je l'ai. Voilà, l'épée électrochoc, la Tenjikiken. Voilà, sur laquelle donc j'ai refait les chromes il y a quelques temps. Parce que l'épée par contre avait vraiment bien morflé. Voilà, l'épée donc que vous pouvez bien entendu mettre dans sa mimine. Regardez-moi ces épées géantes. Hein. Vraiment, c'est aussi la particularité des robots de l'époque, hein, des mechas de l'époque, c'était voilà ces épées vraiment extrêmement longues, hein, c'était un petit peu le concours de celui qui avait la plus longue, voilà. Et puis donc me manque malheureusement aussi donc me manque son bouclier, le Change bouclier ou le Change Shirudo, voilà, le bouclier dans lequel donc l'épée peut venir se fixer pour faire donc une épée, voilà, l'épée finale, l'épée de transition, l'épée de combat final avec son coup de grâce, donc la Super Thunderbolt ou Supa Sanda Boruto. Voilà un petit peu donc pour notre petit Pépé. C'est-y pas beau. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue Super Sentai du jour consacrée donc au Change Robot ou Changey Robot de la série Changeman. Plus précisément donc Tenjiki Sentai Changeman. J'espère que vous avez donc apprécié cette vidéo
qu'elle a permis, donc, du coup, comme toujours, pour les uns de découvrir et pour les autres de redécouvrir. Voilà, ces mechas Super Sentai mythiques. Que dire, hein, les bons robots de l'époque avec des plastiques très robustes, du métal et autres. Alors certes, hein, le style est un petit peu kitsch, on n'aime pas. Moi personnellement, c'est de ma génération, donc forcément, j'adore. Voilà, que dire de plus? Bah, que dire de plus, tout simplement, vous me le direz comme toujours, hein, dans les commentaires. N'oubliez pas de donner donc vos impressions, vos suggestions et autres, ce que vous avez pensé en tout cas donc de ce petit père. Je vous invite, hein, pour les plus curieux, à aller faire un petit tour sur YouTube. Vous pourrez peut-être trouver, voilà, quelques épisodes ou quelques extraits pour vous donner une idée un petit peu du concept et de la série. Que dire d'autre, que dire d'autre? Je souhaitais bien entendu donc souhaiter un petit coucou aux nouveaux abonnés, hein, qui nous font confiance, qui me font confiance et qui viennent rejoindre notre petite famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Ah, ouf! Comme toujours, des tas de gros bisous également pour les plus anciens. Merci d'avance bien entendu pour tous vos petits pouces bleus, ça me fait toujours infiniment plaisir. N'hésitez pas donc à vous abonner également. Et puis voilà, que vous souhaitez de plus à part, à part un super week-end. Profitez bien, amusez-vous bien, et quoi qu'il en soit, et ne l'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ouais, bah n'empêche que moi, mon robot, il est plus articulé. Nya. Bon, par contre, il n'y a pas d'arsenal, et il fait boing boing quand je marche. Mais bon, moi, il est articulé. Ouais, et moi j'ai pas de robot. Moi quand même, j'en suis plus articulé que toi. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.